vas m'écouter. À un moment donné, tu vas te laisser aller complètement. Les pensées vont s'atténuer de plus en plus. Et tu vas les laisser passer. Je vais simplement te demander de te concentrer sur ma voix. Il peut y avoir des bruits, des sons. Il peut y avoir n'importe quoi. Mais tu restes connecté sur ma voix. À partir de maintenant, il n'y a que ma voix qui compte. Peu importe que tu entends d'autres. En étant connecté sur ma voix, ça va te permettre de te focaliser sur mes mots. Les mots que j'utilise ont un sens. Mais parfois les mots que j'utilise, les mots que je te donne, tu les captes et tu les interprètes de la manière dont tu as besoin de les interpréter. Ce qui veut dire que tu ne vas garder pour toi que ce qui est bon. Tu ne gardes que le meilleur. Si j'utilise un mot ou une phrase qui ne te convient pas, change ce mot, change cette phrase et tu gardes que le meilleur. À un moment dans cette séance, je vais te demander de penser à un souvenir heureux. Peut-être que tu peux y penser maintenant d'ailleurs. J'aimerais que tu penses à quelque chose dans ta vie qui t'a rendu heureux ou heureuse. C'est un moment qui est très particulier pour toi. Je ne sais pas ce que c'est. J'ai pas besoin de le savoir. Je veux juste que tu penses à un moment de ta vie qui t'a rendu waouh, super heureux, super heureuse. Ça peut être juste d'être entouré de tes amis. Ça peut être un moment où tu es avec ta famille, avec tes enfants si tu en as. Ça peut être un moment où tu as créé quelque chose et ça t'a rendu heureux. Peu importe ce qui t'a rendu heureux, c'est juste ce qui est le plus important. Et que tu gardes ce souvenir. À un moment dans la séance, nous allons augmenter cette sensation de bien-être qui est associée à ce souvenir qui te rend heureux. Dans cette séance, je dis souvent heureux, heureuse, joyeux, joyeuse. Si tu es un homme, évidemment, tu captes le mot heureux et joyeux. Si tu es une femme, tu captes le mot heureuse, joyeuse. Il se peut que parfois, je dis heureux et je ne dis pas heureuse. C'est parce que pour la facilité d'expression, ça m'évite de répéter le même mot. Et parfois, j'utilise deux fois le même mot. C'est pour ancrer encore plus profondément ce mot. Encore une fois, tu ne gardes que ce qui est bon pour toi. Si tu es OK avec ça, et si tu as ravivé ce souvenir en toi, on va pouvoir commencer. Dans un premier temps, je vais te demander de prendre une position qui t'est le plus agréable. Mais j'aimerais que quand tu prennes cette position, tu t'installes en conscience, que tu te dises « Je m'installe confortablement pour entrer dans cette séance d'hypnose ». Et en même temps que tu t'installes en conscience, j'aimerais que tu prennes une bonne inspiration. Tu t'installes et tu recraches l'air. Une fois que tu es bien installé, on peut commencer. C'est bon. Ok. C'est parti. J'aimerais que tu portes ton attention sur le corps tout entier. J'aimerais que tu scannes en fait le corps en partant du haut du crâne et que tu descendes en l'imaginant, en le visualisant, en le ressentant et en descendant progressivement jusqu'en bas du corps, jusqu'aux orteils. Tu scannes le corps tout doucement, tranquillement. Et j'aimerais que tu ressens ce que tu as à ressentir. On va partir d'en haut. Tu peux soit laisser les yeux ouverts, soit fermer les yeux. C'est comme tu le souhaites et c'est à ta convenance.
Il est vrai que lorsque les yeux sont fermés, lorsque les paupières deviennent lourdes, on est beaucoup plus centré sur ce que l'on souhaite observer. Et à cet instant précis, j'aimerais que tu observes, que tu te focalises sur le haut du crâne, le haut du crâne. Et que maintenant tu visualises, que tu imagines, que tu ressentes l'énergie qui descend au niveau des yeux, au niveau du nez, au niveau de la bouche et de la mâchoire. Porte toute ton attention sur la mâchoire, sur le cou. Et à chaque fois que tu portes ton attention sur un élément de ton corps, que tu entends ma voix, le corps tout entier se détend. Porte ton attention maintenant sur les épaules et fais descendre cette énergie. Je me demande de quelle manière d'ailleurs tu peux la ressentir, cette énergie. Comment c'est en train de s'installer tranquillement. Maintenant, porte ton attention sur les pectoraux. Sur le ventre, on peut ressentir une légère petite boule à l'intérieur du ventre, une sensation qui est très agréable. Parfois, c'est même un picotement. À cet instant précis, lorsque je te parle et que je focalise mon attention sur mon ventre, je ressens comme une boule d'énergie dans le ventre. C'est très très agréable. Je me demande de quelle manière chez toi c'est en train de se manifester. Et peut-être que tu peux laisser cette boule, cette sensation, se diffuser à son rythme, tranquillement. Parfois on le ressent très fortement. Parfois c'est très léger. Très très léger. Et dans tous les cas, c'est une sensation qui est très agréable. Maintenant, porte ton attention sur tes jambes. Les jambes qui deviennent de plus en plus lourdes ou de plus en plus légères. C'est une sensation qui est très très agréable. C'est comme si le corps avait envie de s'élever, de grimper, de monter. Et plus tu portes attention à tes jambes, et plus cette sensation s'amplifie de plus en plus. Un sentiment extrêmement agréable, une sensation étrange. Comme si à chaque fois que tu focalisais ton attention sur quelque chose, plus cette chose s'amplifie de plus en plus. Les jambes qui deviennent de plus en plus légères. Les pieds maintenant. Porte ton attention sur les pieds. Les orteils. Accélérer cette sensation de bien-être en imaginant un bouton de volume, un bouton qui va de 0 à 10. Et peut-être que tu peux fermer les yeux si tes yeux.
avec le monde extérieur et tu te centres sur le monde intérieur. Et maintenant que tes yeux sont fermés, que tu entends ma voix, peut-être que tu peux imaginer, ressentir, visualiser un bouton de volume de 0 à 10. Et j'aimerais que tu tournes ce bouton pour augmenter cette sensation de détente et de bien-être. Et remarque que plus tu augmentes le volume, plus tu tournes le bouton, et plus la sensation de bien-être s'amplifie et s'agrandit. Tu peux l'augmenter au niveau que tu veux. Et si tu portes attention à ton ressenti, à tes émotions, alors tu peux remarquer que plus tu augmentes le volume, et plus une sensation de bien-être t'envahit de plus en plus. Waouh, c'est très très puissant. Extrêmement agréable. Je t'ai demandé d'imaginer, de visualiser, de ressentir un souvenir qui t'est extrêmement agréable. Peut-être que maintenant tu peux repenser à ce souvenir. Ce souvenir qui est magnifique. Un souvenir très très agréable. Je ne connais pas la teneur de ce souvenir agréable. Il n'y a que toi qui le connais, qui le sais. Mais à partir de maintenant, imagine, ressens, goûte, construis, fabrique, fais comme si ce souvenir était devant toi et qu'il se matérialisait à nouveau. Et laisse venir à toi toutes ces émotions, toute cette sensation extrêmement agréable que ce souvenir te procure. C'est comme si d'ailleurs, la réalité était en train de se mêler à ce souvenir, et que le souvenir n'était plus un souvenir, mais était plutôt dans cet instant présent. Imagine maintenant cette sensation de bonheur s'amplifier de plus en plus. Ressens cette sensation s'amplifier de plus en plus. Tu peux peut-être t'aider de ce bouton. Ça s'appelle un bouton magique de bonheur. Tu tournes le bouton de plus en plus pour amplifier cette sensation. Peut-être que tu es entouré de gens que tu aimes. Peut-être que tu vis une expérience. Quelque chose que tu as construit, que tu as réussi, que ça te rend super content, super heureux. Heureuse, joyeuse, joyeux, heureux. Que du bonheur. Amplifie ce phénomène. Peut-être que tu peux encore augmenter un peu plus le volume pour augmenter cette sensation de bien-être. Je me demande de quelle manière c'est en train de se manifester dans ton corps, dans ton esprit. Tout ton être entier est en train de ressentir cette sensation de bien-être. Tout est extrêmement agréable. Peut-être même que tu peux ressentir la joie qui se manifeste. Peut-être que ça peut se manifester par un sourire. Parfois c'est un léger sourire, parfois c'est un sourire incroyablement contagieux qui se manifeste. Et cette joie qui s'amplifie de plus en plus en toi. Et tu augmentes cette joie jusqu'à ressentir cette sensation de bonheur, de bien-être. Mais en même temps que cette sensation s'amplifie, en même temps que tu m'écoutes, le corps tout entier se détend complètement. Et la joie de
ce souvenir s'amplifie de plus en plus. Oh, c'est extrêmement agréable. Et tu sais que tu es au bon endroit au bon moment pour te laisser aller complètement à cet instant présent. C'est un instant qui te permet de te libérer et de récupérer cette sensation de bien-être qui s'amplifie de plus en plus. Et peut-être que tu peux tourner encore plus le bouton. Je me demande d'ailleurs à quel niveau il est. Si tu as passé le curseur des 5, des 6, des 7. Peut-être même que tu es déjà arrivé à 10. Mais 10, waouh, si c'est le cas, c'est juste une sensation merveilleuse qui t'envahit de plus en plus. Je vais me taire quelques instants. Et j'aimerais que tu visualises ce bouton du bonheur, que tu repenses à ton souvenir et que tu l'augmentes jusqu'à ressentir une sensation tellement agréable que tu vas avoir l'impression de planer, comme si ton corps tout entier s'élevait et que cette joie tout entière, la joie du monde, le bonheur du monde était en train de t'envahir maintenant. Cette sensation et laisse les émotions t'envahir, un sentiment de bonheur de plus en plus profond, de plus en plus présent, augmente cette sensation de bien-être. Et à la fin de cette séance, quand tu reviendras ici et maintenant, tu pourras garder en toi toute cette sensation et tu te sentiras merveilleusement bien pour tout le reste de cette journée. Ou peut-être que tu pourras t'endormir. Et alors au réveil, tu te sentiras merveilleusement bien, comme si tu avais passé la meilleure des nuits, une nuit réparatrice. Et toute cette sensation, toutes ces émotions qui sont en train d'augmenter maintenant, vont te permettre de garder en toi toute cette joie de vivre. Et peut-être même que tu pourras observer un changement qui se procure à l'extérieur de ton monde. Simplement parce que lorsque l'on change son monde intérieur, le monde extérieur change. Lorsque je suis joyeux, joyeuse, lorsque je suis heureux, heureuse, alors le monde est heureux, joyeux, le monde est merveilleux. Et plus tu augmentes cette sensation de bien-être, cette sensation intense de bonheur, et plus le monde augmente sa joie de vivre aussi. C'est comme si tu étais connecté avec le monde extérieur. En connectant ton monde intérieur, alors tu es connecté à tout. Je vais compter jusqu'à 3. Et à 3, tu auras deux possibilités. Soit tu pourras revenir ici et maintenant et garder en toi toute cette énergie positive, toute cette joie de vivre, tout ce bonheur en toi et reprendre tes activités. Ou alors, tu pourras juste te laisser aller à t'endormir complètement. Et lorsque tu te réveilleras et que tu auras passé le temps nécessaire pour dormir, tu te sentiras merveilleusement bien lorsque tu te réveilleras et tu vivras une vie magnifique. 1. 2. Si tu souhaites revenir, reviens
si tu souhaites dormir, dors. 3. 3. Si tu souhaites revenir, ouvre les yeux maintenant et reprends petit à petit possession de ton corps et de ton esprit à ton rythme. Et lorsque tu seras prêt, alors tu pourras reprendre tes activités, tout ce que tu souhaites faire maintenant. 3. Tu peux revenir ici.